Egzamin maturalny z języka francuskiego. Arkusz drugi. Rozumienie ze słuchu. Poziom rozszerzony. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 25 minut i składa się z trzech zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie. Które zawiera zarówno teksty, jak i polecenia do poszczególnych zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony dwa razy. Na płycie przewidziane są przerwy. Na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z usłyszanymi poleceniami. W trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu, zadanie dziewiąte. Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie rozmowę na temat trzęsienia ziemi w Chinach. Na podstawie usłyszanych informacji zdecyduj, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz znakiem x odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt. On vous le disait dans les titres des journaux, la terre a tremblé dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord-ouest de la Chine. Le tremblement a fait au moins 250 morts et plus de 1000 blessés. Les dégâts matériels, c'est-à-dire ceux qui touchent les maisons, les routes, etc., sont très importants. Dans une seule province, 1000 maisons ont été détruites. On parle d'une puissance de 8,6 degrés. Cette fois, c'était beaucoup plus fort que d'habitude. Les sismologues expliquent ce qui s'est passé par la tectonique des plaques. La plaque de l'Inde est rentrée violemment sous la plaque asiatique, la plaque où il y a la Chine. C'est ce qui a donné naissance, par exemple, à la grande chaîne de montagnes de l'Himalaya. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de ce séisme la nuit dernière. On peut se demander pourquoi il y a beaucoup de morts dans cette partie du pays qui est plutôt déserte C'est vrai que cette région est surtout habitée par des nomades, c'est-à-dire des gens qui se déplacent. Mais les nomades se rencontrent tous dans les oasis où ils viennent chercher de l'eau. Et c'est dans cette zone d'oasis où ils étaient plus nombreux que d'habitude que le tremblement a été le plus fort. C'est pour ça que le bilan est si lourd. On vous le disait dans les titres des journaux, la terre a tremblé dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord-ouest de la Chine. Le tremblement a fait au moins 250 morts et plus de 1000 blessés. Les dégâts matériels, c'est-à-dire ceux qui touchent les maisons, les routes, etc., sont très importants. Dans une seule province, 1000 maisons ont été détruites. On parle d'une puissance de 8,6 degrés. Cette fois, c'était beaucoup plus fort que d'habitude. Les sismologues expliquent ce qui s'est passé par la tectonique des plaques. La plaque de l'Inde est rentrée violemment sous la plaque asiatique, la plaque où il y a la Chine. C'est ce qui a donné naissance, par exemple, à la grande chaîne de montagnes de l'Himalaya. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de ce séisme la nuit dernière. On peut se demander pourquoi il y a beaucoup de morts dans cette partie du pays qui est plutôt déserte. C'est vrai que cette région est surtout habitée par des nomades, c'est-à-dire des gens qui se déplacent. Mais les nomades se rencontrent tous dans les oasis où ils viennent chercher de l'eau. Et c'est dans cette zone d'oasis où ils étaient plus nombreux que d'habitude, que le tremblement a été le plus fort. C'est pour ça que le bilan est si lourd. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie dziesiąte. Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie wypowiedzi na temat przemocy w programach telewizyjnych. Dla każdej z nich wybierz jedno zdanie zgodne z jej treścią. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej wypowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt. 1. Ah. La violence est trop présente dans les programmes télé. Le grand problème est que ça influence les jeunes. C'est aux parents d'interdire certains programmes à leurs enfants, mais ce n'est pas toujours possible. Surtout s'il s'agit des adolescents. On ne peut pas les surveiller 24 heures par jour. Il faut donc éduquer les jeunes pour qu'ils puissent comprendre que la violence à la télé sert à se distraire et qu'elle n'est pas acceptable dans la vie réelle. 2. S'il y a trop de violence à la télévision, c'est de notre propre faute. Nous permettons à la violence d'être diffusée parce que nous regardons certains programmes. Mais pourquoi choisissons-nous de soutenir la violence Tout simplement parce que nous sommes humains, et nous aimons les actes violents. Alors, nous sommes responsables de ce qui se passe dans les médias. 3. Je pense que nous pouvons tout simplement éteindre le poste de télévision. Je ne peux qu'encourager tout le monde à se plonger dans la lecture. Et le livre, vous pouvez le relire, y revenir à tout moment. Quand je sais que j'ai des livres intéressants, c'est comme si j'allais dans un bon restaurant. Et ça, aucun programme télé ne me l'a jamais offert. 4. C'est vrai que la violence est présente dans les programmes télé. Dans les mêmes programmes, pourtant, il y a aussi des policiers qui font leur travail et arrêtent les criminels. Pourquoi la population voit-elle la violence à la télé, mais pas la contre-violence Curieux, non Pour moi, il y a autant d'exemples de lutte contre la violence dans les séries télé que d'exemples de violence. À chacun de voir ce qu'il veut. La violence est trop présente dans les programmes télé. Le grand problème est que ça influence les jeunes. C'est aux parents d'interdire certains programmes à leurs enfants, mais ce n'est pas toujours possible. Surtout s'il s'agit des adolescents. On ne peut pas les surveiller 24 heures par jour. Il faut donc éduquer les jeunes pour qu'ils puissent comprendre que la violence à la télé sert à se distraire et qu'elle n'est pas acceptable dans la vie réelle. 2. S'il y a trop de violence à la télévision, c'est de notre propre faute. Nous permettons à la violence d'être diffusée parce que nous regardons certains programmes. Mais pourquoi choisissons-nous de soutenir la violence Tout simplement, parce que nous sommes humains et nous aimons les actes violents. Alors, nous sommes responsables de ce qui se passe dans les médias. 3. Je pense que nous pouvons tout simplement éteindre le poste de télévision. Je ne peux qu'encourager tout le monde à se plonger dans la lecture. Et le livre, vous pouvez le relire, y revenir à tout moment. Quand je sais que j'ai des livres intéressants, c'est comme si j'allais dans un bon restaurant. Et ça, aucun programme télé ne me l'a jamais offert. 4. C'est vrai que la violence est présente dans les programmes télé. Dans les mêmes programmes, pourtant, il y a aussi des policiers qui font leur travail et arrêtent les criminels. Pourquoi la population voit-elle la violence à la télé, mais pas la contre-violence Curieux, non Pour moi, il y a autant d'exemples de lutte contre la violence dans les séries télé que d'exemples de violence. À chacun de voir ce qu'il veut. przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi Zadanie 11 Zapoznaj się z treścią zadania usłyszysz dwukrotnie opowiadanie o spotkaniu w metrze. Z podanych możliwości odpowiedzi, wybierz właściwą zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, C lub D. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz jeden punkt. Un samedi de décembre, Claire a décidé de sortir de la ville pour aller rendre visite à sa cousine. Quand la rame du métro s'est arrêtée sur le quai, elle est entrée dans le compartiment bondé et a aperçu, au miracle, un siège libre. Elle était sur le point de s'asseoir quand, levant légèrement les yeux, elle a vu un vieillard debout près de la porte. Lui aussi a repéré la place. En une seconde, il a évalué ses chances, a fait un mouvement, puis voyant clair, s'est arrêté. C'était un beau vieux, grand, mince, le regard assuré. Il devait avoir dans les quatre-vingts ans. Il traînait un sac à achats en tissu et d'autres paquets. Visiblement, il était en plein dans ses achats de Noël. La jeune fille lui a souri et, s'inclinant, elle l'a invité à s'asseoir. Son visage s'est illuminé, ses lèvres ont prononcé un merci silencieux. Il a repris sa marche vers le siège, et il s'est assis. Une minute est passée. Soudain le vieillard a interpellé Claire. Un petit cadeau, a t-il dit en lui tendant une boîte blanche. Surprise, elle a regardé intriguée. Une friandise? Non, on dirait une savonnette. Elle a lu sur le côté de la boîte. En or, fait à la main. Elle ne pouvait pas accepter un tel cadeau. Prenez le, a insisté le vieil homme. Claire a ouvert la boîte. Un objet brillant y était enveloppé dans un sachet en plastique. Elle a refermé la boîte et l'a serré dans sa main, ne sachant trop quoi dire. L'homme semblait perdu dans ses pensées. En le regardant, la jeune fille s'est dit qu'il n'avait peut-être personne à qui offrir des cadeaux à Noël. Alors, elle s'est tournée vers lui et lui a souhaité un joyeux Noël. Il a répondu simplement. Vous aussi, et bonne année. Le métro s'est arrêté à la station, Claire est descendue, et, tandis que les portières se refermaient, elle a sorti la boîte et tiré du sachet un magnifique éléphant doré, dont les yeux semblaient deux pierres précieuses. Un samedi de décembre, Claire a décidé de sortir de la ville pour aller rendre visite à sa cousine. Quand la rame du métro s'est arrêtée sur le quai, elle est entrée dans le compartiment bondé et a aperçu, au miracle, un siège libre. Elle était sur le point de s'asseoir quand, levant légèrement les yeux, elle a vu un vieillard debout près de la porte. Lui aussi a repéré la place. En une seconde, il a évalué ses chances, a fait un mouvement, puis, voyant clair, s'est arrêté. C'était un beau vieux, grand, mince, le regard assuré. Il devait avoir dans les quatre-vingts ans. Il traînait un sac à achat en tissu et d'autres paquets. Visiblement, il était en plein dans ses achats de Noël. La jeune fille lui a souri et, s'inclinant, elle l'a invité à s'asseoir. Son visage s'est illuminé, ses lèvres ont prononcé un merci silencieux. Il a repris sa marche vers le siège, et il s'est assis. Une minute est passée. Soudain le vieillard a interpellé Claire. Un petit cadeau, a t-il dit. En lui tendant une boîte blanche. Surprise, elle l'a regardé, intriguée. Une friandise Non, on dirait une savonnette. Elle a lu sur le côté de la boîte. En or, fait à la main. Elle ne pouvait pas accepter un tel cadeau. Prenez-le, a insisté le vieil homme. Claire a ouvert la boîte. Un objet brillant y était enveloppé dans un sachet en plastique. Elle a refermé la boîte et l'a serrée dans sa main, ne sachant trop quoi dire. L'homme semblait perdu dans ses pensées. En le regardant, la jeune fille s'est dit qu'il n'avait peut-être personne à qui offrir des cadeaux à Noël. Alors, elle s'est tournée vers lui et lui a souhaité un joyeux Noël. Il a répondu simplement vous aussi. Et bonne année. Le métro s'est arrêté à la station. Claire est descendue et, tandis que les portières se refermaient, elle a sorti la boîte et tiré du sachet un magnifique éléphant doré. Dans les yeux semblaient deux pierres précieuses. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.